Voilà ce que j'ai reçu ce matin. Naturally Good de Nivea. Donc, c'est un masque hydratant rafraîchissant. 99% du total est d'origine naturelle et 1% additionnel. Certifié Écocert, Cosmos Natural, peau normale à sèche. Donc, je vais tester ce masque que je ne connais pas. Et je vous en dirai plus sur un post Instagram. À bientôt! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo pour un masque. Alors, ce masque, c'est tout simplement le Nivea Naturally Good. Le conseil d'utilisation, hein. Donc, tout simplement, le masque à l'aloe vera est fabriqué à partir de fibres d'origine naturelle et est extra doux. C'est un soin idéal pour les peaux déshydratées. Ben, ça tombe bien parce que moi, j'ai la peau très sèche. Nettoyer et sécher soigneusement la peau avant l'utilisation, c'est fait déjà. Je l'ai déjà fait. Déplier délicatement le masque tissu et appliquez-le sur le visage. Lissez le masque pour maximiser le contact avec la peau et ajuster les bords du masque au visage. Laissez poser 10 minutes pendant que le masque s'active. Enlevez lentement le masque à partir des bords. Faites pénétrer l'excédent par massage léger sur la peau, du visage ou du décolleté ou retirez-le à l'aide d'un coton. C'est tout simple comme tous les masques. C'est parti, alors très facile. Vous ouvrez ici. Et le voici, le voilà, bien plié. Et vous voyez, il n'est pas trop, parce que d'habitude, il y a plein, plein, plein de... Même à l'intérieur, vous voyez, il n'est pas comme certains où il y a plein, bah, qui sont trop de produits, quoi. Donc là, c'est... Ah, puis franchement, il est épais. Voilà, il n'est pas du tout... fin, ça c'est très appréciable, regardez, il n'est pas fin comme certains. Là pour le poser, du coup, ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Allez, on y va. Bien la forme, comme ils disent, lisser. Alors, en effet, il n'y a pas du tout d'odeur. Par contre, vous voyez, il est un peu... Si je fais bien le contour de la bouche, malheureusement, ça fait pas... Parce que je dois avoir le visage peut-être trop petit, pas assez rond. Donc ça fait des rides. Vous voyez, puis là, ça prend pas bien. C'est pas grave. On va bien le faire pénétrer au niveau de la peau. En tout cas, il est très bien en ce qui concerne l'épaisseur. Allez, voilà, c'est parti pour 10 minutes. À tout à l'heure. Minutes se sont écoulées et voilà donc le résultat avec le masque Nivea Naturally Good. Donc comme je vous disais, le tissu est bien épais, mais voilà. Ça ne tient pas du tout pour moi. Donc peut-être parce que je n'ai pas un visage assez rond. Mais en tout cas, j'ai bien pourtant lissé malgré que j'ai fait comme j'ai pu pour pas qu'il y ait de rides. Mais voilà, donc c'est dommage. Et au fur et à mesure des minutes... Je sentais que le masque, ben, il se retirait, vous voyez là, comme là, tout seul. En fait, c'est comme si ça séchait, regardez. Au niveau du nez, malheureusement, ça n'a pas tenu non plus. Là, ça tient pas du tout, ça reste pas du tout collé. Autrement, ben, il s'était très bien au niveau sans odeur, donc très agréable. Au niveau épaisseur du masque pour l'installer, c'est mieux que d'avoir un masque tout fin parce qu'on n'arrive pas à bien le déplier. Que celui-ci, pour le déplier, c'est au top.
Et autrement, voilà. Alors on va l'enlever, donc comme ils disent, très lentement. Alors ça rafraîchit aussi, j'ai oublié de dire, ça rafraîchit très très bien. Donc vous voyez, il y en a. Donc tout simplement, soit vous enlevez avec un coton, ou soit vous essayez de le faire pénétrer au niveau du décolleté, du cou, toujours de l'intérieur à l'extérieur. En tout cas, ma peau est très fraîche, ça fait un bien de fou. Donc comme d'habitude, le même procédé, hein, on tapote de l'intérieur à l'extérieur. Et on fait des petits pincements. Et voilà, vous pouvez aussi avec un rouleau de jade, j'en ai, c'est vrai que j'y pense pas. Faudrait que je le fasse. Pardon. Voilà, donc par contre, ça colle. Là, j'ai les mains qui collent et si je les mets sur la peau, écoutez, ça colle. Donc, si quelqu'un vous dit bonjour, attendez un petit peu, hein. Donc, je pense pas qu'on ait dit de rincer. Non, non. Il n'y a pas besoin de rincer. Donc, c'est testé aussi sous contrôle dermatologique, j'ai oublié de le dire. Donc, merci pour ce test. Merci à Nivea et Home Testé Club. Bonne journée à tous. Ciao, ciao, bye bye.